À ce chemin, on ne pouvait pas passer il y a à peu près 7 ans. Et même la rivière était pas. Il y avait pas mal de troncs, d'arbres pourris. On a tout nettoyé. Faire retirer tous les troncs. C'est quand même un endroit extraordinaire. Un endroit que je préfère. Vous pouvez allumer, s'il vous plaît. C'est joli, la rocaille. Et c'est la clairière. Sous-bois. Sous-bois, je pense aux animaux aussi. Animaux et racines. Racines. Roots. Les étoiles. Les feuilles. Ok, hop, hop. Petit, viens, allez, viens. Et voilà. Et moi, je pourrais, tu vois, rien que ça, je pourrais pas, j'arrive pas à manger un âne. Mais même s'il est adulte, je pourrais pas. C'est impossible. Et avant de venir ici, j'ai connu Fabrice dès que je suis arrivé à Paris. J'étais son assistant et puis je touchais un peu à tout avec Fabrice. Hein. Et quand il a vu à chaque fois on se promenait ou quand on allait dans des parcs, dans des endroits comme ça, il me voyait toujours ramasser des graines, observer en fait certaines plantes, certaines fleurs, certains arbres. En fait, je posais beaucoup de questions pour eux. Je voulais toujours apprendre à connaître. Tel arbre, telle fleur, je m'intéressais beaucoup à la nature. Et je pense quand il a remarqué ça, Fabrice, moi je l'avais pas remarqué en fait, qu'il l'avait remarqué, il m'a fait venir ici en Vendée. Et ici en fait je me retrouvais un peu dans ma vie de jeunesse avec mes parents. Et là je commençais un peu à me sentir libre en fait, à faire ce que je voulais. C'était de ramasser, de semer des graines, d'avoir en fait, d'aider la nature en fait à se développer.
Avant de bosser pour Fabrice, j'étais charpentier. J'ai fait ma formation chez les Compagnons du Devoir. La charpente, c'est très droit, c'est des choses que, voilà, c'est mécanique, c'est des choses qu'on ne veut pas faire bouger, etc., qui existent depuis longtemps. Et puis, du coup, bosser avec Fabrice, des fois, il nous fait réfléchir sur des choses qui défient un peu les lois de la nature ou de la, voilà, enfin, de la mécanique, quoi. De se dire, ouais, on essaye, ça peut donner autre chose, c'est ça, questionner constamment. Et ça, Fabrice, il se questionne constamment, même dans les toiles, dans ses tableaux, dans tout. Il n'y a pas de choses, on ne se dit pas, c'est impossible. On essaye de trouver d'autres solutions, on essaye de, tu vois, de travailler ensemble avec Fabrice, de trouver d'autres solutions, quoi. Même si je lui dis, ah, ça va être pas impossible, mais ça va être, c'est plus simple de penser comme ça, comme si. Et après, on travaille tous les deux, mais après, il y a deux choses à... Impossible, franchement, on n'a pas de... Enfin, on se donne pas trop de limites, quoi. Le bord de la voûte. Ouais, ça j'ai. Celui-là. C'est les mêmes que celle-là. Ah oui. Tu vois, il y a celui-là là. Ces deux-là, quoi. C'est les deux-là qui sont. Parce qu'en fait, ça doit s'affaisser de ce côté-là. C'est comme ça là. Là, on est à l'église Notre-Dame de la Nativité, qui est toujours consacrée et qui va être, qui est en mauvais état, donc on va la restaure parce qu'il y a un projet, que je fais un projet à l'intérieur. Et je voudrais que ça soit un endroit où on puisse écouter des voix du monde entier qui viendraient chanter ici. Et aussi un lieu où on pourrait faire des chorales, où on pourrait faire uniquement réservé à la voix, parce que le son, il est magnifique ici, le son. Il tourne bien, tout ça, c'est super. Et puis petit à petit, en fait, je vais faire sur le mur pendant la rénovation, je vais faire des grands dessins des fresques de comme si on était dans une forêt imaginaire. On lave le ciel. Vite fait, bien fait. Maintenant, il faut laisser couler. Confus, flou, absorbé. Là, c'est net. Ouais, échange, moyen d'échange. Les héros. Je vais vous raconter l'histoire des héros. J'avais un territoire, je cultivais le territoire, j'étais agriculteur. Et puis, comme il fallait que je serve mon territoire, je suis devenu géomètre. Et puis après, je suis cultivateur. Et puis géomètre, je suis passé à architecte. Et d'architecte, je suis passé à maçon.
Et cultivateur, je suis passé à transporteur. Transporteur. Et puis après, pour ne... en transporteur, tu es assis. Et puis ainsi de suite, comme ça, où tu marquais ton territoire, tu empêchais le territoire, tu passais le territoire, tu t'es voleur aussi. Tu passais, tu étais transfrontalier, tu vois. Tu étais passeur. Et puis passeur, quand tu étais maçon, tu travaillais aussi sur la... sur le gène, enfin toute l'architecture de l'architecture, l'ADN, voilà, l'ADN. Donc tu devenais très vite biologiste, voire généticien. Voilà, donc tu passais de tout ça. En fait, pour moi, un artiste doit être. Et en fait, j'avais imaginé à ce moment-là que qu'un artiste devait être ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et en fait, c'est comme, tu vois, il était, ça c'est un rocher, un rocher, un rocher. En fait, il est pouf, pouf, comme ça. Et l'eau, elle était comme ça, hop. En fait, l'artiste, c'est une sorte de fluide, comme ça, avec l'eau. Et en fait, il était en permanence, il se nourrissait des minéraux, tout ça. Tu vois? Et puis, tout d'un coup, il continue. Et ça, c'est le début. Ça, c'est un scénario que j'ai écrit en 1988. C'est très bien pour un début de tableau, c'est parfait, celui-là. Je pense que, tu vois, des fois, des gens, de la jeunesse surtout, ils n'arrivent pas à comprendre comment ça marche, la nature. Je pense qu'au fond, ils trouvent que c'est un peu ennuyant, la façon comme ils apprennent à l'école. Des fois, c'est pas tout à fait exactement comme ils enseignent là. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir l'art, tu vois, un mélange avec l'agriculture, la régénération, laisser les vaches, parce que c'est une façon intéressante pour montrer une chose d'une façon différente et comme ça attraper l'intérêt de la jeunesse, mais aussi de voir de tout le monde en général, pas tout à fait, pas uniquement de la jeunesse. Parce que normalement, si on n'a pas mangé, ça n'existera rien. L'art, le cinéma, rien. Il faut manger d'abord. Mais c'est très intéressant parce qu'ici, c'était un peu à l'inverse. C'est à cause de l'art que Fabrice a réussi à transformer ce terrain-là, qui autrefois c'était un espace vide. Et c'est à cause de lui qu'il a transformé cet endroit dans la forêt. J'adore comme idée de. Tu vois, il avait Robert Filliou, un artiste français, qui disait que l'art c'était pour faire la vie plus intéressante que l'art. Et cette idée, elle est toujours dans ma tête. Et je vois que j'ai vu que toute cette sorte de façon de gérer la terre, l'art, soit un peu, ils font la symbiose, quoi. Comme la symbiose entre les humains, la forêt, les animaux, mais aussi dans les autres domaines des métiers qui font les humains.